Bon, il faut dire que je suis née le 7 juillet 1931 à Belfort. Donc, pendant la période de l'occupation, j'avais donc 10 ans, 11 ans. Enfin, de toute façon, c'est à travers le regard d'un enfant que je vais vous évoquer ce que j'ai subi pendant cette triste et tragique période. Alors, l'histoire de la famille, je vais être extrêmement brève. Mes grands-parents sont originaires de Lenchica, qui se trouve en Pologne. Lenchica est une ville de garnison, à 30 km de Lodz. Mon grand-père, Jacob Storch, je leur dis ce nom parce qu'ils n'ont pas de tombe, bien entendu, était maître tailleur. Maître tailleur pourquoi? Parce qu'il enseignait son savoir. Et il avait comme spécialité de confectionner sur mesure des vêtements d'officiers polonais, parce que c'était une ville de garnison. Donc il y avait plusieurs générations, donc mon grand-père Jacob tenait cette entreprise. Il avait donc des employés, des apprentis et des ouvriers. Mon autre grand-père, mon grand-père paternel, c'est-à-dire M. Dressler, Abraham, était professeur. Donc ils enseignaient chacun leur savoir. Donc ma mère, ils avaient 8 enfants, 6 filles et 2 garçons. Les deux garçons se nommaient un Sinaï et l'autre Israël. Sacré chemin de vie. Mon autre grand-père, paternel, Dressler, ils avaient 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Bon, de toute façon, ce qui s'est passé, comment mon père est venu en France, après l'hémorragie de 14-18, c'est-à-dire la France n'avait pas de main-d'œuvre, il y a eu des inspecteurs qui ont été en Pologne et ils cherchaient de la main-d'œuvre. Donc mes oncles se sont présentés et munis d'un contrat de travail, ils ont pu venir en France travailler à l'usine Alstom à Belfort. Donc par conséquent, ma mère est venue en tant que fiancée, elle s'est mariée à Belfort, avec comme mère qui les a mariés, c'était monsieur Dreyfus Schmidt, qui était donc député. Pour eux, c'était une révélation, parce qu'en Pologne, déjà, il y avait de l'antisémitisme, et venir en France, le pays des droits de l'homme, c'était pour eux le cadeau que leur offrait leur existence. Donc, ils ont travaillé, ma mère est donc venue se marier, et donc je suis née à Belfort. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la déclaration de la guerre, en 1939, et mon père, ainsi que les jeunes de la communauté juive de Belfort, sont tous portés volontaires pour défendre la patrie. La patrie était en danger, donc comme ils n'étaient pas français à ce moment-là, eh bien ils ont été engagés à la Légion étrangère. Et moi, à ma naissance, mon père a voulu immédiatement me déclarer française, naturalisée française à ma naissance, ainsi que mon autre frère, parce qu'il y avait 3 enfants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à la déclaration de la guerre, mon père donc était engagé à Val d'Aron, ma mère était prête à accoucher, ça je suis obligée de le dire, de mon petit frère qui est né le 12 septembre 1939, donc on était obligé d'évacuer, donc nous sommes venus à Dijon en catastrophe, maman pour accoucher de mon frère Michel, et moi pour vivre chez ma tante, donc tout s'est bien passé. Une fois que mon père avec ses 3 enfants a été déclaré soutien de famille, et puis de ce fait, il a donc pu rapatrier son affaire. Enfin, ils ont donc travaillé, et puis ils avaient monté une petite affaire à l'issue justement du contrat. C'est un peu long, mais je suis obligée de le dire. Donc, ils sont venus à Dijon. Bon, alors, déclaration de la guerre, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les mesures antisémites. Alors, donc, mon père était donc marchand sur les marchés. Il a été obligé de mettre une pancarte, étant donné que c'était un établissement juif, il fallait se déclarer. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un soldat
allemand, quand il a vu l'affichette, il a dit « même ici ». C'est-à-dire, alors donc il a jeté un petit paquet sur le stand de mon père, et mon père a eu peur, et quand il l'a ouvert, c'était un paquet de beurre. C'est incroyable, c'est pourtant vrai. Bon, après, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la pancarte des... On a porté l'étoile. J'ai donc été chercher avec ma famille l'étoile, donc j'ai porté l'étoile. Et le jardin des Lucs, il y avait une pancarte, c'était marqué « Interdiction aux chiens et aux juifs ». Donc c'était pour moi, c'était très violent. Quand j'ai porté l'étoile, eh bien, j'étais vraiment angoissée. Et grâce à ma maîtresse, Madame Mazin, que je rends hommage, elle a pu me consoler et donner une leçon de tolérance à toute la classe. Ça fait que moi, personnellement, je n'ai pas été embêtée. Par contre, mon frère qui était à l'école du Nord, eh bien, il est revenu avec la blouse déchirée, le visage tuméfié et une dent cassée. Donc c'était assez violent. Bon, après, mon père a été convoqué au commissariat des questions juives avec une petite valise. Donc, l'histoire de cette petite valise, il n'a pas voulu se rendre au commissariat. Et avec son ami Sam Kupperberg, ils ont franchi clandestinement la ligne de démarcation. Et ils ont été arrêtés en zone libre par les gendarmes à Tournu, transférés à Mâcon. Et ensuite assigné à résidence forcée, l'un à Chauffailles et l'autre à Salornay-sur-Guye. Salornay-sur-Guye, c'est un village extraordinaire. C'est là, c'est le village natal de Lucie Aubrac. Donc il y avait un esprit de résistance, de solidarité extraordinaire. Mais auparavant, ce que je voulais aussi vous signaler, c'est que il y avait rue Janin, un bureau de tabac qui était en même temps un relais de la Croix-Rouge. Et ce relais de la Croix-Rouge recevait des petits colis de 1 kg et ils étaient acheminés dans les camps de prisonniers et à l'intérieur des ghettos. Or, comme ma famille de Pologne était donc privée de tout, parce qu'ils ont subi des mesures impitoyables d'antisémitisme et de ségrégation, alors toutes les semaines on acheminait des colis, mais de 1 kg. Ça fait que maman a voulu envoyer une paire de chaussures à son père. Alors comme c'était plus d'un kilo, alors on a fait deux colis en priant le bon Dieu que les colis arrivent à destination. Et donc à chaque colis on recevait une petite carte qui était donc censurée, nous assurant que la réception de ces petits colis. Un beau jour, les derniers colis sont arrivés à l'expéditeur. L'intérieur était intact, mais l'expéditeur extérieur était abîmé. Donc on s'est rendu compte qu'il s'était passé quelque chose de très grave, parce que c'était renvoyé. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient déjà morts, car on a su plus tard, parce que nous avons été en Pologne en 1968 avec mes parents à Lenchika pour savoir ce qu'il s'était passé. Et ce qui s'était passé, c'est que la famille a été enfermée dans un camion, le tuyau d'échappement était à l'intérieur, ils ont été asphyxiés, parce que le camp d'Auschwitz n'était pas encore prêt, et ils ont été immédiatement incinérés à Helmau. Et ça, je peux le dire, puisque je l'ai vu de mes propres yeux. Et j'ai emmené ma fille, qui avait à ce moment-là 11 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais, et je voulais absolument qu'elle sache ce qui s'est passé de visu. Ça, c'est très grave. Ensuite, pendant que mon père était parti, je reviens à mon récit, il avait franchi la ligne de démarcation. On le recherchait à Dijon. Donc nous habitions à ce moment-là au 36 rue Chaudronnerie. Ouais. Alors il y a eu un officier SS avec la tête de mort et son interprète qui sont venus pour demander l'adresse de mon père. Alors maman, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais absolument pas où il est puisqu'il nous a abandonnés. Alors il a dit à l'interprète qu'elle se débrouille pour avoir l'adresse de son mari, sinon on la prend elle, la grand-mère qui vit avec nous et les enfants. Mais l'interprète, il n'a pas dit la même chose, parce que ma mère, elle est polyglotte, elle parle naturellement polonais, français et allemand.
Il a dit simplement, tâchez de trouver l'adresse, et nous, faites l'impossible pour la trouver, mais sans ajouter les représailles. Alors ce qui s'est passé, c'est que immédiatement, maman a pris la même filière pour passer la ligne de démarcation en zone libre, mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait la grand-mère on a eu du mal à la convaincre parce qu'elle ne voulait pas nous suivre. Elle était très âgée, impotente, et j'avais un petit frère qui avait même pas 3 ans. Franchir une ligne de démarcation avec cet handicap-là, c'était terrible. Alors donc, ils ont beaucoup réfléchi, les résistants cheminots, pour savoir comment faire pour franchir une famille dans ces conditions-là. Alors, avant de partir, maman, nous avions des amis, eh bien, tout le monde pariait sur notre échec, bien entendu. Et il y a une dame qui nous a offert une tablette de chocolat. Et cette tablette de chocolat, croyez-moi, elle a eu un rôle majeur. C'est-à-dire que nous avons été donc à sœurs, et donc le chef de la résistance est venu pour évaluer comment il nous a donné des instructions. Et le matin, on a donc été à l'aube, à l'endroit indiqué. Et vous savez, il y a eu des convois qui se sont qui ont passé. Je disais à maman, tu crois qu'un convoi va s'arrêter? Elle m'a dit, t'inquiète pas. Et en effet, à un endroit précis, il y a eu. C'est comme un film. Il y a eu beaucoup de cheminots qui sont venus nous transporter et nous sommes passés à l'intérieur d'un wagon de déménagement. Et à l'intérieur, il y avait donc des meubles et nous étions au fond. La grand-mère avec plusieurs... on l'a basculé tout au fond de ce wagon. Et ensuite, ils nous ont installés donc... Il y a eu la porte qui s'est refermée, c'était une porte coulissante qui faisait un bruit énorme. Et puis le convoi s'est ébranlé et s'est arrêté sur la ligne de démarcation. Or, il y a eu une fouille. Et chaque fois que le wagon était fouillé, eh bien, il est arrivé à notre niveau. Et pendant ce temps-là, mon petit frère bougeait beaucoup et puis on l'a bourré de chocolat. Et quand la fouille est arrivée à notre niveau, c'est-à-dire ils sont rentrés dans le wagon, ils dormaient dans les bras de maman. Ça fait qu'il y a eu des coups de crosse, il y a eu des meubles déplacés, nous étions calés dans le fond, on retenait notre respiration. Puis finalement, ils sont sortis parce que nous, on était du côté de la vie, puis eux, ils nous apportaient la mort, bien entendu. Donc, nous sommes... On a franchi heureusement cette ligne et après nous avons rejoint notre père qui était naturellement heureux de se retrouver. La famille était enfin réunie. Alors ce qui se passe, c'est que nous avons eu la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un maire extraordinaire qui s'appelle Monsieur Dauxois, ainsi que le secrétaire de mairie qui était l'instituteur qui s'appelait Monsieur Nolin, ainsi que le conseil municipal. Il y a une petite chaîne de solidarité très très forte. Ça fait que nous avons pu survivre. Et je me souviens que dans la classe où j'étais, je m'appelle Marcel, il y avait déjà 4 Marcel. Alors j'étais la 5e. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en février... Ah oui, ma mère est tombée enceinte en 1943. Il était impossible d'accoucher dans une maternité. Pourquoi? Parce qu'on arrêtait dans les maternités, les cliniques, les internats, on était en danger. Tant que nous étions à Salornay, il y avait le cordon de sécurité, mais si nous nous déplacions, on était en danger. Alors donc, maman a donc s'est mis en rapport avec il y avait une sage-femme, bien entendu, et maman a accouché le 22 novembre 1943 d'une petite fille. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au mois de février 1944, 2 familles juives qui étaient en résidence forcée ont été arrêtées sur dénonciation et emmenées par les miliciens. Et c'est en 1944. Donc, Cormatin, Cluny, Salornay, on était au milieu. Donc, je sentais que le piège allait se refermer sur nous. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que mon père a rejoint le maquis
Et il a été, il a fait son devoir jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci à Madame David. Maintenant, nous avons un temps donc dédié pour les questions des élèves à Madame David et à Monsieur Franck, hein, qui donc ont passé leur jeunesse pendant ce temps d'occupation. Oui. Allons. Ben, je l'ai condensé, hein. Je l'ai condensé au maximum. Hein. Tiens, je bois. Les élèves. Non, j'entends pas. Excusez-moi, si vous voulez venir par là et puis parler. Là, allez-y, venez vous approchez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi voir. Je voulais savoir quel a été votre ressenti quand vous êtes arrivé dans cette école par rapport aux autres élèves. Ressenti où? Comment vous avez vécu ça? Le ressenti au port de l'étoile? Oui. Ah ça, c'était terrible. Ah oui, ça je peux vous dire. Quand je suis sortie de la maison, quand j'ai appris qu'on devait porter cette étoile, pour moi c'était un coup. C'était atroce parce que j'étais donc stigmatisée et je me disais, sortir de la maison avec une étoile, eh bien je vais être, pour ainsi dire, harcelée, insultée, brutalisée. Alors je portais mon cartable sur cette étoile et quand je suis arrivée dans la cour, bon j'avais toujours le cartable, et quand je suis arrivée dans la classe, il a bien fallu que j'enlève. Et puis les élèves, et la maîtresse en particulier, a été vraiment sidérée. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, je vous interdis d'embêter Marcel. Et elle a fait une leçon de tolérance à toute la classe. Et c'est vraiment, je la remercie encore, je la bénis. C'est vrai, et puis en plus de ça, c'est juste. Par contre, mon frère, c'était autre chose. Hein. J'ai même sa photo. Je vous raconterai que j'ai rencontré sa fille par hasard, parce que je ne la connaissais pas, puisque on est donc mariés l'une et l'autre. Et j'ai su que son père, Jean Mazingue, ouais, Jean Mazingue était ingénieur de la ville. Et quand mon père a été spolié de sa marchandise, donc il fallait qu'il nourrisse sa famille. Et c'est monsieur Jean Mazingue, ingénieur de la ville, qui lui a donné du travail et qu'il a fait le cantonnier. Peu importe, il n'y a pas de saut métier, il fallait nourrir sa famille parce que nous n'avions plus aucune ressource. Oh, ça a été difficile, mais on est là. Y a-t-il d'autres questions? Comment on peut voir la guerre? Ouh là là. Comment un enfant voit la guerre? J'entends pas, hein. Approchez-vous. Comment un enfant voit la guerre? Comment? Comment un enfant voit la guerre? Ben c'est comme je vous l'ai dit, comment on peut voir la guerre? C'est-à-dire que... Les yeux d'enfant. Ouais. Non, c'est-à-dire que l'extérieur était dangereux, mais c'était bizarre comme... C'était vraiment très bizarre parce qu'on ne voulait pas y croire, surtout qu'on ne voulait pas imaginer la suite, on ne connaissait pas la suite. J'ai quand même 75 personnes de ma famille, de ma proche famille, qui ont été liquidées. Et maman, avant de mourir, m'a donné une liste de toute la famille qui a été assassinée. Et j'ai répondu à son vœu et tous ces noms ont été inscrits au mémorial de Yad Vashem. Et j'ai reconnu ma tante Salah avec le convoi numéro 27. Elle a été arrêtée à Dessine, transférée à Drancy, et partie par le numéro... Et j'ai même l'affiche de départ. Tout est inscrit. Tout ce que je vous dis est sur les panneaux. Ah oui? Et puis ce qu'il y a, c'est que mon oncle Samuel, le frère aîné de mon père, a été gazé le 1er avril 1944. Tout est codifié, grâce à Serge Klarsfeld, grâce à ce fameux annuaire.
C'est vraiment un travail extraordinaire. D'ailleurs, il est venu, nous avons fait une exposition à Dijon, rue Sainte-Anne, qui s'appelait la rafle, les rafles. Ouais. Je voudrais... Allez-y, c'est bon. Pardon. C'est bon. C'est bon, Paul. Bon. Je voudrais ajouter un petit détail à ce que vient de dire cette camarade. C'est que nous avons reçu, à la sortie de Drancy, avant de monter dans les wagons, après avoir été questionnés, nous avons reçu une fiche indiquant la totalité des biens que nous emmenions avec nous et dont nous allons être spoliés. Ouais. Or, cette fiche qui nous a accompagnés et que nous avons remis en arrivant pour les quelques survivants de chaque convoi ont été remis aux autorités allemandes. Or, cette fiche était destinée à ce que nous soyons remboursés des sommes que nous devions laisser dans le tiroir-caisse de Drancy. Vous voyez jusqu'où allait l'astuce. D'un côté, je te donne, mais je te le reprends tout de suite. Je veux rebondir sur ce que vous dites. C'est que mon père a reçu des inspecteurs qui sont venus se présenter pour justement spolier la marchandise et le camion que papa avait, puisqu'il était marchand non sédentaire en Côte d'Or. Et donc, il a donc signé tout ce qu'ils nous ont pris, comme ça, en toute légalité. Alors, du jour au lendemain, nous n'avions absolument aucune ressource. Voilà. Ça, il faut le dire. Et j'ai les papiers prouvants, grâce au travail de M. Vouzel. Il a trouvé, comme ça se passait à Dijon, donc les élèves ont eu la chance de trouver tous ces documents. Je les en remercie. C'est très important, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai mon petit-fils aîné, qui est professeur d'histoire et de géographie à Châlons, et mon autre petit-fils qui est professeur en technologie à Dijon, et la troisième sera certainement professeur. Et ma fille est institutrice, professeure des écoles à l'école du Nord, et donc elle est maître formatrice. Vous voyez, hein. Moi, je m'excuse déjà parce que je suis arrivé là un tout petit peu en retard, mais parce qu'on m'a interviewé. Alors, bon. Alors, je veux simplement relater. Pardon. Je veux relater quelques lignes que je vais lire. Donc, je n'ai pas eu le parcours ni de monsieur, ni de madame, mais j'ai mes parents, Paul et Germaine Franck, avaient un magasin à Dijon, et ils venaient en aide au réseau Grenier-Godard, tout de suite en fournissant des vêtements clandestins, surtout des prisonniers évadés. Leur magasin servait de boîte aux lettres, le courrier étant remis au cheminot et convoyeur Émile Duvaux, qui passait les lettres en zone libre. La mise sous séquestre du magasin des époux Franck, donc de mes parents, met fin à ses activités, d'autant plus brutalement que l'administrateur qui avait été désigné ordonne à mon père de lui remettre les clés et de quitter les lieux immédiatement. Alors, Émile Duvaux, figure emblématique de la résistance cheminote, coiffeur à domicile, pour arrondir ses fins de mois, avait pour clientes de nombreuses familles juives, ce qui leur évitait de sortir inutilement de leur domicile. Celles-ci, souvent écartelées en zone libre et zone occupée, il leur rendit de précieux services. Chaque vendredi soir, témoigne Simone Franck, fille d'Edmond, il passait à la maison chercher du courrier qu'il acheminait en zone libre dans sa locomotive. Chaque lundi soir, il passait amener les réponses, pas seulement pour notre famille.
Bon, Duvau il a rendu énormément de services aux Israélites. Fin 1941, Paul Franck et sa famille gagnent la zone libre en deux fois. Le procureur Lacha accepte d'entreposer chez lui des affaires qu'elle ne peut emmener. Jules Châtelet, fidèle employé du magasin de mes parents, ex-sabotier jurassien, leur rend le même genre de service. Alors, ce sont tout d'abord mon père, son frère cadet André, son beau-père Eugène et son fils Roger, donc moi, qui quittent Dijon par un train de marchandises grâce au réseau. Ils sont cachés dans un étroit tunnel entre des balles de papier, les cheminots entachant d'autres balles avant la fermeture du wagon. Ils voyagent en compagnie de prisonniers évadés. Puis c'est au tour de ma maman, Germaine, avec sa fille Eliane, sa mère Alice, sa belle-sœur Yvonne et les deux enfants de celle-ci. Je me permets de dire que, justement, ma tante, mon oncle et les deux enfants ont été déportés d'abord à Drancy et ensuite à Auschwitz. Alors je continue, c'est un petit résumé là. Le groupe passe en zone libre en franchissant le pont de Navilly avec l'aide d'un autre résistant auquel appartient Louis Dutrillon et le fils du cordonnier Chaillot, plus tard chauffeur de M. Gaston Girard. Paul, Germaine, Eliane et Roger s'installent à Valence après une étape lyonnaise. La famille reçoit sa nouvelle adresse des évadés venant de Dijon. Donc maman donne d'abord des cours de comptabilité chez Pigier, puis grâce à des relations, travaille chez des pasteurs, ex-dirigeants nationaux des éclaireurs unionistes. Grâce à ceux-ci et à des éclaireurs de France, la famille est avertie des rafles. Elle se cache alors chez des amis et regagne son domicile à la fin des alertes. Un peu plus tard, ma grand-mère Alice accueille chez elle sa sœur, Lucie Dreyfus, veuve du capitaine Alfred Dreyfus. Risquant d'être dénoncée, Lucie est accueillie dans une maison de retraite catholique avec l'assentiment de la mère supérieure qui la dirige. Lucie est la voisine de la sœur de Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives. André, Yvonne et leurs deux enfants, Claude et Alain, s'installent eux à Albertville, zone d'occupation italienne, où réside le frère aîné de mon père. Ils y reçoivent des clandestins envoyés depuis Dijon par le réseau Grenier-Godard. Hélas, après la chute de Mussolini, la région est occupée par les Allemands qui poursuivent là comme ailleurs les Israélites. Donc mes oncles et tantes sont arrêtés sur des dénonciations le 15 mars 1944. Les enfants Claude et Alain sont capturés par les miliciens dans l'école qu'ils fréquentent en dépit des dénégations de leur institutrice, arrêtée avec eux et internée quelques jours. Yvonne, André, Claude et Alain mourront à Auschwitz. Voilà, disons que... C'est le numéro. Moi, j'ai pas eu, heureusement, grâce à ma maman, le même parcours que Marcel. Mais je dois tous les jours, je pense à ce que maman nous a empêchés fin 1941 de porter l'étoile jaune. Et mon père, qui était officier de réserve, disait, mais nous, il y a plus de 5 générations qu'on est en France, on ne risque rien. Voilà. La mémoire des drames anciens est nécessaire pour éviter le retour aux actes inhumains. C'était il y a 70 ans, le 18 janvier 1945, pris dans une tenaille implacable,
Nos bourreaux, ne pouvant par manque de temps nous supprimer tous à la fois, nous jetèrent sur les routes enneigées afin de garder une main-d'œuvre qui leur était nécessaire pour poursuivre leur effort de guerre et de soustraire les témoins de leur exaction. Le 20 janvier, les SS firent sauter les crématoires 2 et 3. La nuit du 25, ce fut le numéro 5. Les troupes libératrices du camp d'Auschwitz n'arrivèrent que le 27 janvier 1945, vers 14h45, sous le commandement du général Konieff, pour y trouver environ 2000 détenus, incapables de marcher et laissés à l'abandon pour y mourir de faim. Quant à nous, simplement vêtus d'une veste et d'un pantalon en fibrane, coiffés d'un calot, avec aux pieds des semelles en bois retenues par des ficelles, par des températures atteignant parfois les moins 30 degrés, nous avons parcouru pendant des heures interminables des distances invraisemblables pour gagner la gare ferroviaire de Gleiwitz, qui se situait en dehors des combats. Nous avons dû ne pas détourner les yeux pour apercevoir nos frères de misère partis devant nous, morts, soit de froid, soit d'une balle dans la nuque, ayant atteint le bout des souffrances pour succomber dans les fossés remplis de neige. Les quelques survivants que nous sommes ne sommes pas des êtres supérieurs, mais simplement doivent à leur robustesse et à de petites chances le fait d'avoir pu survivre. Nous avons atteint d'autres camps, avons repris notre esclavage sous d'autres conditions et de nouveau, au début du mois d'avril 1945, sous la pression des forces alliées venant du sud, nous avons repris la marche pour être transportés dans un lieu qui devait être notre fin de vie. Nous savons ce que vivre en enfer veut dire. Nous avons vécu notre mort à Bergen-Belsen, entrepôt maudit pour l'espèce humaine dégradée et mourante, sans nourriture et sans eau, abandonnés dans un mouroir dont l'état de cadavre augmentait de volume chaque jour par l'apport des morts de la veille ou de la nuit et qui finirent dans des fosses communes creusées puis comblées de ces cadavres recouverts de chaux vives par les bulldozers de l'armée britannique. C'était il y a 70 ans, dans une Europe martyre, avec une France dont les dirigeants complices, dont on cherche aujourd'hui, en établissant de fausses vérités, à les innocenter de leur connivence avec les crimes commis. Mesdames et messieurs, mes enfants, que je vous considère tous comme étant mes petits-enfants. Alors, à votre disposition, je répondrai à toutes les questions qui seront posées. Un petit détail, une seconde. Avant de poser la question, soit vous levez la main si vous êtes assis, soit vous vous levez, qu'on puisse vous distinguer dans la totalité des présents. Vas-y, mon garçon. Vous êtes tous de la même génération, vous ne connaissez pas. Vas-y, alors vas-y. Vous êtes tous de la même génération, vous connaissez tous depuis que vous êtes petit. Non, pas du tout. Est-ce que vous vous connaissez tous les trois ? Absolument pas, c'est la première fois que je vois madame. Et c'est la première fois que je vois monsieur. Mais par contre, je puis te donner une indication. Il y a 40 ans, ma première intervention auprès des collégiens a eu lieu ici à Dijon.
où j'ai été invité par un professeur d'histoire qui m'avait demandé de venir parler à 16 enfants. 16 enfants de 3e, bien sûr. C'était il y a 40 ans. On n'a pas le même parcours, hein. Monsieur est voilà, à l'intérieur. Il faut te dire que madame et monsieur n'ont pas été déportés. Ben exactement. Alors que moi, j'ai été déporté. Parce que lui, il était à l'intérieur. Monsieur et madame ont eu la chance d'avoir trouvé des gens, ouais, des juges, qui ont gardé clandestinement des enfants juifs, voilà, pour qu'ils ne soient pas arrêtés, voilà, par les forces allemandes ou par la milice. Alors que mon parcours est totalement différent. J'étais agent de liaison dans un maquis de la Haute-Lozère. J'ai été dénoncé par un supernationaliste français, bien sûr, ce qui fait que la Gestapo est venue m'arrêter. Arrêter mon frère plus particulièrement, qui lui était sergent-chef radio avec Londres. C'est lui qui transmettait les ordres ou qui les recevait d'après Londres. Et j'étais dans le même groupe que lui, et mon frère a été dénoncé. Comme il n'était pas là, ils m'ont arrêté, et selon la tradition populaire, quand on ne trouve pas de grive, on mange un merle. Eh bien, j'ai été le merle de l'aventure. Alors, les gens de travaux que nous effectuions dans les camps, c'était des travaux forcés, bien entendu. Les travaux les plus pénibles qui puissent exister au monde, c'est-à-dire le terrassement, par exemple, le transport de sacs de ciment pendant 8 heures d'affilée au pas cadencé, décharger un wagon de sacs de ciment sur une passerelle de 20-30 cm de large au pas de course et pendant 8 heures. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, transport de sable, portage de poutrelles métalliques, rouler des tonnes de rouleaux de cuivre pour les enfouir dans, justement, ce qui avait été fait par nos terrassiers. Et toujours pareil, c'était 12 heures d'affilée où il nous fallait travailler quelles que soient les conditions climatiques. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent, qu'il y ait du brouillard, qu'il y ait de la grêle, qu'il fasse moins 20 ou qu'il fasse plus 40, c'était pareil. Il fallait travailler. Il y avait un maître mot, pardon, il y avait un maître mot dans le camp, c'était Schnell. Schnell qui veut dire vite. Tout devait se faire vite. Voilà. Donc, toujours en courant ou en allant très vite, quel que soit le travail effectué. Et bien sûr, entre le matin et le soir, sans aucune nourriture. Une question ici, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Ce qui nous a le plus manqué, oh, c'était surtout la nourriture. Il faut bien, je vais vous faire un petit cours de nutritionniste. Un individu normal, vous êtes étudiante, lorsque vous arrivez dans votre classe de première ou de terminale et que vous êtes assise, vous consommez 1400 calories dans la journée parce que vous êtes étudiante. Un terrassier
consomme 3400 calories. Or, la moyenne des nourritures qui nous étaient servies était de 800 calories jour. D'où l'amaigrissement des déportés. Parce que lorsque vous consommez 3400 calories et que vous n'en recevez que 800, il en manque au minimum 2000. Où les trouver ? Dans son propre corps. On commence par manger nos graisses de l'intérieur, puis nos chairs. Et lorsque nous ne faisons plus que 30-35 kilos, nous ne sommes plus aptes au travail. On ne peut plus dépenser 3400 calories par jour. À ce moment-là, on est chargé dans un camion qui fait 3 kilomètres, qui arrive à Birkenau, et on vous gaze et on vous brûle. Et c'était ainsi pour environ 200 camarades par jour, rien qu'au camp de Monowitz, là où j'étais. Nous perdions environ 200 camarades tous les jours, qui étaient remplacés par 200 arrivants raflés quelque part en Europe. Pour remplacer les morts, il nous fallait de la chair. Ce que je vais vous faire comme image n'est pas belle, mais un charcutier, s'il ne ferme pas le bout de la saucisse, la chair qu'il met d'un côté ressort de l'autre côté. Et que dans les camps de concentration, c'était pareil. Il en mourait 200, il en rentrait 200, et le lendemain, ça recommençait. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de témoigner ? Ce qui a déclenché, eh bien, c'est un professeur d'histoire de Dijon. Ce n'est pas que nous n'avions pas envie d'exposer ce que nous avions souffert, mais les conditions politiques, philosophiques de l'époque faisaient qu'on nous avait pratiquement interdit de parler de ce que nous avons subi. Il s'est trouvé un journaliste, M. Christian Bernadac, qui a vraiment dépassé les bornes, puisque malgré les interdits souterrains, il a fait publier l'histoire de son père, qui était un ancien de Dachau. Et ce livre a déclenché, bien sûr, c'est une soupape qui s'est ouverte. À ce moment-là, la presse, la Bourgogne républicaine, qui à l'époque était tenue par un député, je crois, de la Bourgogne républicaine, un journal de Dijon, qui était concurrent du Bien public, a publié des articles sur les camps de concentration. Et dans d'autres départements, il en a été de même. Ce qui fait que progressivement, on nous a ouvert les portes. Progressivement, l'éducation nationale a admis qu'il y ait des personnes étrangères à l'éducation nationale qui viennent parler aux enfants d'événements qui venaient de se produire 20 ou 30 ans avant. Et ça a été le déclenchement de la possibilité de parler. Puisque vous m'interrogez personnellement, je dois également vous dire qu'à l'époque, j'étais le président départemental de la Ligue internationale contre l'antisémitisme et le racisme, la LICA. Ouais. Ce qui m'a ouvert aussi beaucoup de portes. Il y a une question ici, mademoiselle. Bonjour. Pardon ? Comment peut-on vivre ? Comment peut-on survivre ? D'abord, au début, ce qui est choquant pour, ce qui a été choquant pour nous, cette espèce de non-croyance en ce que nous disions. Nous n'étions pas forcément des menteurs. Mais disons qu'on exagérait quand même un petit peu.
quand on vous disait 200 morts par jour, oh, ils galègent. Ben, nous étions pourtant pas... Excusez-moi s'il y a des personnes de Marseille, mais nous n'en étions pas des Marseillais. On disait la vérité, mais on ne nous croyait pas. Il y avait beaucoup d'incertitudes dans le regard des gens. Je me souviens avoir fait une conférence avec des jeunes de première, et j'ai tellement vu d'incroyance dans les yeux des étudiants qui m'écoutaient, je me suis dit, mais c'est pas possible, comment peut-on arriver à faire croire la vérité? Puisqu'on ne croit pas la vérité, comment peut-on arriver à faire croire que c'est vrai, ce que nous avons vécu? Vous savez, pour ceux qui ont visité Auschwitz, il y a entre le bloc 14 et le bloc 15, dans le fond de la cour, un mur. Un mur avec du paillis. J'ai vu, de mes yeux, vu des dizaines de fusillés. J'ai vu, de mes yeux, vu des dizaines de pendus. Et pourtant... Comme dit mon camarade écrivain Primo Levi, et pourtant cela fut. Bonjour. Voilà. Comment avez-vous ressenti que vous étiez pris comme des esclaves? Pardon. Comment tu ressentais que tu étais pris comme un esclave? Alors, il y a... Il faut bien comprendre que devant la masse qu'il y a eu de coups, d'aboiements, de coups de crosse, d'aboiements de chiens, nous avions été mis dans des conditions... On ne pouvait plus pratiquement avoir une autodéfense. Nous étions vraiment des personnes avachies, ayant toujours faim. Donc ça y fait aussi pour beaucoup, parce que l'alimentation du corps, c'est également l'alimentation cervicale. Or, le cerveau, quand il est sous-alimenté, il ne réagit pas de la même manière. Alors, être esclave, nous étions passifs. Un ordre nous était donné, soit on y répondait, soit on n'y répondait pas. Mais ne pas y répondre, c'était recevoir des coups. Il fallait absolument comprendre ce que le SS ou le capo exigeait de nous, et comprendre en allemand, il n'y avait qu'une seule langue. C'était la langue allemande. On ne parlait pas français. On ne parlait pas roumain. On ne parlait pas grec dans le camp. On parlait l'allemand. Et tous ceux qui ne savaient pas, par exemple, comprendre que leur numéro, leur propre numéro en langue allemande, était annoncé, recevaient des coups parce qu'ils ne répondaient pas immédiatement aux ordres donnés. Le fait que j'ai reçu moins de coups en moyenne que mes camarades, c'est que je parlais l'allemand. Je l'avais appris au collège. J'ai eu ce privilège de savoir tout de suite répondre en allemand. Ça a été, par contre, des camarades qui ont voyagé avec moi, qui venaient de France, mais qui n'avaient aucune connaissance de la langue allemande, ont reçu les coups que moi je n'ai pas reçus. C'est peut-être aussi pour ça que je dois ma survie. Une des chances qui m'a été donnée et que j'ai saisie. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qui a
qu'est-ce qu'il y a pour vous comme un argument qui vous donne espoir de vivre dans les camps? Oh, alors ça, mon garçon, ce qui m'a donné le courage de vivre, c'est le titre de mon livre. J'ai écrit un livre, comme beaucoup de camarades l'ont fait. Ce livre s'appelle « Le courage d'espérer ». Or, ce courage d'espérer, je le dois à une jeune fille. Quand j'ai été arrêté, j'étais amoureux fou d'une jeune fille qui s'appelait Lisette, qui avait mon âge, et nous travaillions ensemble dans le même groupe de résistance. Elle m'accompagnait, non pas comme résistante, mais comme faire-valoir. Lorsque, par exemple, j'allais sur un terrain de parachutage, nous partions ensemble, un panier à la main, chercher des champignons. En réalité, c'était une manière comme une autre de camoufler notre activité. C'était donc. Or, cette jeune fille que j'aimais énormément m'a donné le courage d'espérer. Je voulais revenir pour la retrouver. Voilà. Alors, tu vois, tu rentres dans mes... dans ses particularités personnelles. Excusez-moi, je me demandais, lorsque vous étiez au camp, est-ce que vous avez une fois imaginé que vous auriez un jour témoigné? Ah, si on m'avait dit il y a 70 ans, quand j'ai fait la marche de la mort, que je serais aujourd'hui à Dijon, pays du pain d'épices, pour venir raconter ma petite histoire, j'aurais signé des deux mains, crois-moi. Là-bas, bah, y a un micro, vas-y, je t'écoute. Bonjour, je voulais savoir si pendant votre détention, vous arriviez à communiquer avec les autres détenus et à créer des affinités. Avec les autres déportés? Oui. Alors sache, je te tutoie puisque tu es ma petite fille. Sache que l'homme est un loup pour l'homme, et qu'à part peut-être un ou deux camarades déportés avec qui, pour des raisons multiples, on a pu avoir des affinités, l'homme est toujours seul. Il est toujours seul, même au milieu de tous les autres hommes. Or, nous n'avons pas créé des groupes, d'autant que les autorités du camp se gardaient bien de mettre trop de nationaux de même nationalité dans un bloc pour faire justement du communautarisme. Ils l'évitaient, parce que quand on est un ou deux, fomenter un complot ou un coup fumant quelque chose, à un ou deux, c'est délicat. À trois, c'est déjà probable. À quatre, c'est possible. À cinq, c'est certain. Donc, ils évitaient de mettre davantage que deux ou trois nationaux de même nationalité dans un commando ou même dans une baraque. Les baraques comptaient entre 200 et 250 personnes. Il y avait toutes les nationalités européennes qui étaient représentées, y compris les Allemands. N'oubliez pas que 500 000 Allemands sont morts en camp de concentration car ils étaient hostiles au régime nazi. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu 4 000 prêtres catholiques qui sont morts à Dachau. 1200 pasteurs protestants. N'oubliez pas qu'il y a eu 1 200 000 Roms, hommes, femmes et enfants, qui ont subi le même traitement que les Juifs, hommes, femmes et enfants, qui ont été gazés et brûlés. N'oubliez pas que 600 000 jeunes filles ont été stérilisées parce qu'elles avaient un défaut physique, un pied beau, une bosse, quelque chose qui ne correspondait pas aux critères de la race aryenne.
Bonjour. Ma question, c'est... Tu parles plus fort, s'il te plaît. Quels ont été vos moyens de résistance? Pardon? Quels ont été tes moyens de résistance? Mes moyens de résistance? Le peu, par exemple, ça m'est arrivé souvent, le petit geste qui fait que on fait un acte de résistance, mais sans pour autant on puisse dire que c'est de ma faute. Parce que toute l'astuce consistait, par exemple, lorsque j'étais à la construction de tuyauteries, qui était terminée par des flashs, c'est-à-dire des pièces en métal percées de trous dans lesquels il y a des boulons. Et lorsqu'il faut joindre les deux parties d'un tuyau, sur 5 boulons que l'on serre à mort, parce qu'il faut qu'il y ait un contact précis, on serre un tout petit peu moins le cinquième. Mais suffisamment fort pour que ce ne soit pas décelé. Et insuffisamment pour que dès que la pression arrive, eh bien, excusez-moi du terme, ça pète. Et j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute s'il y a une défaillance dans le métal. Moi, je suis pas dans le métal. Ça, c'était un acte de résistance, par exemple. Par exemple. Il ne fallait pas se faire prendre. Par contre, des camarades ont été imprudents. Ils étaient au montage des fusées V2 dans les tunnels de Dora. Et ils ont tout simplement oublié qu'on pouvait remonter jusqu'à eux. Plusieurs V2 au départ de Fécamp sont partis en direction de Londres, et malheureusement, aucun n'est arrivé sur Londres, ils sont tous éclatés au-dessus de la Manche. Les Allemands sont remontés à l'origine des fusées, puis progressivement au montage, et ils ont atteint, malheureusement, cet atelier, cet unique atelier de techniciens français. Il y en a 12 qui ont été pendus au même crochet et hissés avec une seule grue. 12 de mes camarades ont été pendus pour acte de résistance, mais pour les Allemands, c'était un acte de sabotage. Bonjour, je voulais savoir... Elle est où? Voilà. Ah, là-bas. Je voulais savoir si vous avez reçu des gestes de solidarité lors de la déportation ou dans les camps de la part d'autres déportés ou des Allemands. Si j'ai reçu de... Alors, tu peux parler de Jacques et tu peux parler aussi du... Si j'ai reçu de quoi? Des actes de solidarité. Ah, des actes de solidarité. Alors, je dois ma vie à un frère. Je l'appelle mon frère, alors qu'il n'est pas de ma famille, mais nous faisions une équipe, l'aveugle et le paralytique. Jacques était un être extrêmement intelligent, cultivé. Il a été un des sergents du général de Gaulle. Lorsque le général de Gaulle était encore à l'époque commandant, mon frère Jacques a sauté à Valenciennes avec son char, mais il avait fait la bataille de Paris, il est, mais malheureusement pour lui, il était juif, ce qui lui a valu Drancy. Et j'ai rencontré Jacques à Drancy. Et nous avons fait une équipe, je vous l'ai dit, l'aveugle et le paralytique. Il était mon intelligence, j'étais ses bras, parce que j'étais plus costaud que lui. Voilà. Alors oui, de se déporter, je lui dois la vie comme il me devait la sienne, avant qu'il ne meure, bien sûr, d'une crise cardiaque.
C'est le seul avec qui j'ai eu vraiment une unité de pensée, de travail, d'amour, de fraternité. C'était la vraie fraternité. Alors, il y a eu également des cas très rares de solidarité humaine, même par des Allemands. Les affectés spéciaux, c'est-à-dire c'est une catégorie de militaires qui étant blessés ou qui ayant ne pouvant être envoyés au front russe, par exemple, ont été envoyés dans les ateliers, même les ateliers d'Auschwitz, pour y travailler en tant qu'affecté spécial. L'affecté spécial, c'est un militaire qui travaille dans le civil. Il y avait, dans l'atelier dans lequel je travaillais, un dénommé Krefeld, un Berlinois, qui avait une hanche déformée et qui, malheureusement pour lui, ou heureusement pour lui, n'a pu aller sur le front russe. Un jour, en passant, sachant que je parlais très bien l'allemand, il m'a dit « Paul, ouvre ton tiroir ». Et en passant, il a fait tomber une boule de pain. Et quand je lui ai demandé, bien sûr, « Meister, maître, mais pourquoi faites-vous ça ?» Il m'a répondu « C'est un devoir. Mon père a été prisonnier de guerre en France. » Je te dois bien ça. C'était un remerciement parce que son père, ayant été prisonnier de guerre, bien traité chez nous en France, en remerciement des bons traitements, il m'a donné une boule de pain. C'est formidable. Il faut le mentionner. Tous n'étaient pas nazis. Tous n'étaient pas des assassins. Voilà. Je dois ma vie également à cet Allemand qui peut-être, en me donnant cette boule de pain, m'a accordé 3 jours, 4 jours de survie. Cet ouvrier civil tchécoslovaque qui travaillait également à Monowitz dans cette usine de Ligifarben, qui un jour m'a glissé dans la poche comme ça, subrepticement. Un oignon. Rends-toi compte, un oignon. Mais qu'est-ce que c'est que cet oignon? Ce sont des vitamines C. Et qui te dit que cet oignon ne m'a pas sauvé la vie pour m'éviter le scorbut? Qui m'aurait entraîné, bien sûr, vers la mort. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti là, dans la libération du camp. Ce que j'ai ressenti, oui. Eh bien, à moi de te poser une question. Est-ce que tu as déjà été à la piscine? Oui. Bien sûr. Est-ce que tu as, comme tout le monde, pris une bonne tasse? Oui, oui, bien sûr. Et en sortant de la tasse, sais-tu ce que tu as fait? Tu as fait... Ben, c'est un petit peu ça, tu vois, sans exagération, qui s'est produit au moment où nous étions redevenus libres. Un sentiment de libération, un sentiment de survie. C'est inexplicable, mais c'est pourtant... Soit en image ou en symbole, c'est ça. Comme si tu recevais une bonne goulée d'air après avoir pris une bonne tasse. Vous ressentez aussi de la joie, non? La joie... on n'avait pas de quoi exprimer la joie parce qu'à Bergen-Belsen, nous étions, lors de la libération, devant la porte d'entrée, nous étions environ 4000 cadavres vivants,
des cadavres vivants. Nous n'avions que le pantalon, nous avions quitté notre veste pour bénéficier d'un soleil réparateur de printemps. Et lorsque les Anglais sont arrivés, qu'ils ont vu 4000 cadavres qui se mettaient sur un coude, sur un genou, qui se redressaient et qui hurlaient, pour ne pas employer un autre terme, les Anglais, ils ont eu la trouille. Parce que chez eux, il y avait des Écossais. Et tu sais très bien l'histoire des Écossais. Ils ont toujours peur de leurs ancêtres. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? 4000 cadavres qui gueulaient. Excuse-moi du terme. C'est eux qui ont eu peur. Nous étions contents. Bonjour. En fait, vous avez déjà répondu partiellement. Je voulais savoir si entre les SS et les responsables du camp et les déportés, il n'y avait eu que des rapports haineux ou parfois il y en avait certains qui avaient fait certaines sympathies pour ces déportés. Je n'ose par crainte, parce que il y a des micros officiels qui sont là, je n'ose dire exactement ce que je pense. Alors je m'en réfère à Coluche. Et si quelqu'un proteste, qu'il s'adresse à lui, pas à moi. Je ne fais que répéter ses paroles. Il y avait autant de commisération dans les yeux des SS que dans l'œil de verre de M. Jean-Marie Le Pen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Coluche. Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. Je veux savoir pourquoi vous avez refusé plutôt pour la première fois la Légion d'honneur quand vous avez accordé la France. Pardon ? Pourquoi tu as refusé la Légion d'honneur la première fois ? Ah ! Pourquoi j'ai refusé la première fois la Légion d'honneur ? C'était en 1947. Je n'étais pas encore de nationalité française. J'étais encore un étranger. Parce que j'ai fait toute la guerre, toute la déportation, en tant que fils d'immigrés polonais juifs. Je n'étais pas français. J'ai obtenu la nationalité française au mois de mars 1947. Et au mois de février, j'ai un général français qui était cadre à Saumur, qui est venu me faire signer les papiers pour que j'obtienne la Légion d'honneur pour avoir avoir fait un truc, disons, qui le méritait. Seulement voilà, à la promotion de janvier 1947, le gouvernement de l'époque, celui du général de Gaulle, avait accordé à la police parisienne la fourragère. Or, décorer de la fourragère une police qui avait fait la rafle du Vel'd'Hiv, j'ai pas pu le digérer. Je voulais pas être mélangé à ces gens-là. Alors j'aurais plutôt que faire je ne sais quoi, j'ai préféré refuser la Légion d'honneur, je ne la méritais pas, ou tout au moins si je ne la méritais pas, eux ne la méritait pas. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais jeune, j'avais 25 ans et j'étais une tête de lard. J'ai pas changé. J'en ai 93. Par contre, il y a 7 ans, on m'a offert à nouveau. Et là, je ne l'ai pas refusé, parce que, d'abord parce que j'ai eu le siège de mes enfants, de mon épouse, qui m'ont dit aussi, tu la mérites depuis le temps, tu devrais. Bon, j'ai fini par
abandonné la lutte et j'ai accepté la Légion d'honneur. Alors, pour les membres de l'enseignement qui sont présents, je leur dis également que j'ai été agressé, bousculé, n'est-ce pas, mesdames ? C'est une professeure d'histoire qui est là, qui me connaît. Et j'ai obtenu la deuxième plus haute distinction française, les palmes académiques. Voilà. Voilà comment un fils d'immigré tourne mal. Légion d'honneur, palmes académiques. C'est triste, vous savez. Oui. Pendant votre détention, le plus dur, c'était physiquement ou moralement ? Ta détention, c'était le plus dur, physiquement ou moralement ? Moralement, le fait de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait que je voulais revivre ma liberté et mes amours, fait que sur le plan psychique, ça allait très bien. Enfin, moi, je tenais le coup. En plus, il s'est passé un phénomène que je ne m'explique pas, même 70 ans après. Je me suis dédoublé. J'ai eu un phénomène de clonage. Il y en a un qui recevait les coups, qui avait faim, qui avait froid, qui... bref, qui subissait la déportation, et un autre qui le regardait faire. Et c'est cet autre qui regardait faire qui est rentré. L'autre est resté là-bas, au chute. Voilà pourquoi j'en parle plus légèrement. Non pas que je méprise celui qui est resté là-bas, mais lui m'a déchargé de tout ce que mes camarades ont subi et que je n'ai subi que par un clonage involontaire. Bonjour. Bonjour. Je voudrais juste savoir comment s'est passé votre retour à Paris. Mon retour à Paris. Oh, c'est une aventure qui a été rapide. Libéré le 15 avril, et j'étais à l'UTCR le 28 avril. Pourquoi ? Parce que à Bergen-Belsen, les fours étaient terminés, on n'en parlait plus, donc il y avait un amoncellement de quelques dizaines de milliers de cadavres que les Anglais se dépêchaient d'enfouir dans des fosses communes. En plus, il y avait une épidémie de peste, de choléra, de dysenterie amibienne. Nous avions des petits camarades nocturnes, du genre punaise, du genre poux, morpion, et autres petites bêtes, vous savez, qui dans la publicité font tchi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 tch
c'est-à-dire peu, mais sain. Au lieu de nous donner des boîtes de cornbeef, comme malheureusement certains camarades ont reçu de côté d'Américains, nous nous avons reçu du porridge. You know porridge? You know? No? Bon, ben, ce sont des flocons d'avoine qui sont cuits dans de l'eau lactée, légèrement sucrée, aromatisée plus ou moins à l'abricot. Entre nous, hein. Mais ne le répétez pas, c'est pas bon. Mais alors, ça remplit le ventre. Bonjour. Oui. Excusez-moi par avance pour la légèreté de ma question, et donc je vais peut-être pas vous y répondre. Moi, je voulais savoir si vous aviez retrouvé Lisette. Alors, je l'ai retrouvée dans des conditions un peu curieuses, parce que il y a eu mésentente entre les familles de Lisette et la mienne. Le père de Lisette ne voulait pas de juifs dans sa famille, ce qui a fait un rejet de son côté, mais également un rejet du nôtre. C'est que mes parents, puisque tu n'en veux pas, tu n'en auras pas. Et puis, les circonstances ont fait que nous nous sommes séparés en bonne camaraderie. Et pendant quelques longues années, j'avais perdu totalement contact avec elle. Grâce à mon épouse ici présente, j'ai retrouvé Lisette, parce que c'est elle qui m'a emmené à Nevers. Et nous avons passé la journée ensemble. Et nous sommes restés bons copains. Jusqu'à son décès, il y a 3 ans, le 28 janvier, où elle m'a quitté. On se téléphonait régulièrement, prendre des nouvelles de l'un de l'autre. Nous sommes restés copains. Mais je dis et je le répète, c'est grâce à elle que j'ai eu le courage d'espérer et que j'ai survécu. Y a-t-il une dernière question ? Donc, je pense que nous pouvons remercier encore une fois Madame David, M. Franck et M. Schittelmann pour... quand même. C'est vivant, hein. C'est la plus grande victoire d'être vivant et que de pouvoir le dire. Merci à vous.